Whoopé, salut à vous les amis, comment ça va? Moi je vais super bien et aujourd'hui on se retrouve sur Niva. Niva qui est un petit jeu indépendant qui se veut totalement pacifique. Il n'y a pas de bébête ni de monstre. Et on incarne un animal qui est censé être un dieu. Ben, c'est un dieu animal en quelque sorte. Notre objectif sera de pacifier la forêt car il y a des choses bizarres qui se passent là-dedans. C'est un jeu totalement gratuit, enfin pas totalement, enfin si, c'est un jeu à prix libre, c'est-à-dire que vous avez le choix de donner ou pas une petite pièce de monnaie aux personnes qui ont créé le jeu, ce sont des étudiants je crois. En tout cas, déjà au premier coup d'œil, c'est un jeu qui est en jette, c'est vraiment magnifique, on voit qu'il y a du travail derrière quoi. Franchement l'ambiance en tout cas aussi est bonne et très bonne, la musique derrière est très bonne. Ça c'est pour mes premières impressions. Et bien on va commencer, on se lance dans ce jeu magnifique. Et donc voilà, apparemment là elle tue, mais moi comment je fais? Moi j'ai pas... Ah ok, attendez. Ah d'accord, voilà, donc apparemment on peut soit enlever la vie aux plantes, ou soit les refaire vivre, pardon. Voilà, là, pour passer, j'enlève la vie et là, je lui le redonne. Voilà, c'est tout simple. Il y a juste à... Oh, mon Dieu! Hé hey Genre, c'est le jeu le plus simple et je comprends rien. Oh, c'est assez dur, là, par contre, pour guider. Et du coup, voilà, on a le droit de vie ou de mort sur les éléments de la forêt. Et... Voilà, il faudra se servir de ça pour pouvoir passer passer les obstacles et tout. Et du coup là il y a un truc. C'est quoi? Ah, qu'est-ce que je fais là? Ah, ah, il faut que je redonne la vie. D'accord. Ok. Oh, petit animal. Donc c'est assez dur là pour le contrôler. Parce que en fait là, voilà, il tourne pas vraiment très bien en fait, le mec. Il prend du temps à tourner. Donc là, ce que je viens de faire, apparemment, c'est redonner la vie à cette plante. Peut-être que ce sera l'objectif. Notre objectif ici, il y en a une autre ici. Peut-être que ça, peut-être pas aussi. Peut-être que ça me donne juste de la life, je sais pas. Là, je vais refaire ça. Bon, j'ai vu ce jeu en fait, j'ai vu en recherchant des petits jeux indés et il m'a plu, vraiment. J'ai vu quelques extraits et tout et voilà, j'ai vu que c'était d'exploration. Du coup je sais pas si je vais faire tout le jeu avec vous. Si je pense quand même que je vais le terminer avec vous quand même. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez voir un jeu, enfin des vidéos là-dessus sur ce jeu. Parce qu'apparemment il est assez long quand même, d'après ce que j'ai vu. Voilà, mais en tout cas, attendez, petit passage. Du coup voilà, c'est de l'exploration pure et simple. Et l'objectif, voilà, ce sera de résoudre le problème qu'il y a dans cette forêt. Eh, je suis complètement... Oh, je suis complètement paumé là. Attendez, j'ai vu un passage là-bas. Ouh, mon Dieu. Désolé. Alors on peut passer ici. Comme je vous dis là, c'est assez difficile en fait de contrôler. Donc c'est A pour ouais, le problème c'est que j'ai pas ah d'accord. En fait ça se joue à la manette on dirait. Et le problème c'est que ben moi j'ai pas de manette. Ok cool. Marche arrière, comment on fait? Voilà. C'est tout bête, tout con. Et ça c'est quoi? Il faut que je suive, monsieur. Ah, attendez. Ok. Attendez, je vais refaire pousser ça. Est-ce que ça... Faudra que je suive ça? Ouais, apparemment, hein. Faudra que je suive. Allez, bébé. Non, je t'ai pas dit de sauter, moi. Je m'emmène où?
C'est quoi? Du coup, je sais pas trop bien ce qu'il y a quelque chose à faire ici, que ça, monsieur. En tout cas, regardez, le jeu, il est vraiment bien fait. Hein. Là. Ah, ok. En fait, on dirait quand il commence à se prendre les trous, là. J'arrive pas vraiment à contrôler le truc, en fait. Hein. Et voilà, on se retrouve ici. Et on va faire ça. Vas-y, pousse la branche, pousse. Ah ok, il faut qu'il me suive peut-être. Ouais, on dirait qu'il me suit. Oh mon dieu, j'ai un gros plan sur son l'arrière-train d'un dieu animal. c'était beau. Ouais, d'accord, il me suit en fait. En fait, quand je donne la vie, il me suit. Est-ce qu'il y a un truc à faire vraiment avec, avec ça? Recule un coup en arrière. Recule en arrière, d'accord. Je suis bloqué. Attendez. Ah d'accord, il part pas plus loin, d'accord. Alors on va essayer de trouver des choses à faire hein, parce que là, sinon ça va pas le faire. Vas-y, saute. Saute, saute, ne sois pas bloqué mon ami. Mon cher ami Dieu. Est-ce qu'il y aurait pas des choses à faire? D'accord, là je donne la mort en fait. Non, 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 je veux pas donner la mort, moi. Je suis un animal. Je ne trouve pas rien d'autre à dire. Ah, ok, là, peut-être qu'il faut que je restaure ça, peut-être, non? Non? On va pas faire ça? Non. Donc, apparemment, il y a un mâle dans cette forêt. Il faut que je trouve ce mâle. Allez, on y va. On explore. C'est quoi ça? Oh cool. C'était quoi? J'ai pas compris. Peut-être qu'il faut que je fasse ça, non? Non. Allez, poussez-vous mes chers amis plantes. Est-ce qu'il faut que j'aille où, monsieur? Ah, c'est quoi ça? D'accord, ça, on change d'ambiance là tout d'un coup. Ah ouais, 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 on change d'ambiance complètement, hein. Ouh. Ah ouais. Ah, on a complètement changé, hein. C'est devenu plus... Comment dire? Négatif. Ok. Ouais, donc c'est ça un peu le truc là. Peut-être faut que j'aille là-haut là. J'ai vu quelque chose là-haut. Peut-être qu'il faut que j'y aille. Tu peux pas sauter, non? C'est bon. Alors ouais, donc ça devient de plus en plus. Oh, c'est quoi ça? Faut pas que je fasse quelque chose avec ça. Bah mon cher ami Dieu, t'es dans la merde hein. Comment t'as pu faire pour laisser ton la forêt devenir comme ça? Moi j'étais toi, je voilà quoi. J'accepterai pas. Faut que j'aille où, monsieur? Ça me fait penser à comment, à Princesse Mononoke là. Je sais pas si vous connaissez. Dans Princesse Mononoke, il y a le dieu, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Il y a un dieu et ce qui se passe, c'est qu'on lui a volé sa tête. Et vraiment, il me fait penser à ce dieu, en fait, dans Princesse Mononoke. Qui, d'ailleurs, est un excellent film d'animation. Hein. J'ai adoré, c'est l'un de mes préférés. Je sais plus qui est Iorizamaimi, je sais pas qui est Razamaki. Je sais plus c'est qui. Mais en tout cas, c'est un excellent film d'animation que j'ai adoré. N'hésitez pas à aller le voir, hein. C'est de l'exploration, hein. Du coup, il faut que j'explore. On va s'en aller un peu partout. Ici aussi, c'est très différent, en fait. Oh, cool. J'ai
pas été ici, non? Si. En tout cas, ils ont fait du beau travail, du bon boulot. Parce que c'est excellent, en fait. Hein. Ouh, tu m'as fait peur. En fait, genre, c'est y a rien d'effrayant, mais le mec, là, il a surgi comme de nulle part, comme ça. C'est pas très drôle de faire ça, mon ami. Je sais pas où je suis. C'est vraiment cool. Ouh, d'accord. Eh, c'est censé être pacifique, hein. Vraiment pacifique. C'est censé être ne pas avoir de bestioles qui est de partout. Ouais. En fait, je sais pas où je vais. J'avance au hasard. Et j'arrive dans des endroits complètement, je sais pas... Est-ce qu'il faut pas restaurer de la vie ici? Si, peut-être. Oh, c'est quoi ce bestiole là, là? Oh, c'était cool. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Ouais, le mec, je t'ai pas dit de venir à côté de moi. Hein. Ah, peut-être faut que je fasse quelque chose pour les animaux qui se trouvent ici, peut-être. Ouais, genre tous les arbres là, peut-être qu'il faut qu'il y a quelque chose à faire là. Parce que quand je les fasse, quand je fais ça, il y a les animaux qui viennent, non? Voilà, regardez. Il y a les animaux qui arrivent. C'est quoi ces bestioles en fait? Vous devez bien savoir qu'est-ce que c'est comme bestioles. Ici, je l'ai fait ou pas? Allez, on va continuer juste pour le plaisir. Le plaisir de faire pousser des fleurs. Alors, on explore. Il ne se passe toujours rien. Alors... Et apparemment, oui, dans ce jeu, il n'y aura pas de cinématique ou rien ou quoi. C'est vraiment voilà quoi, de l'exploration pure et simple. Il y a des, tu fais des trucs et voilà, il y a un impact sur ton environnement. Mais à part ça, il y a rien qui se passe, hein, apparemment. Et je pense que c'est un peu le point négatif, peut-être. En tout cas, c'est bien trouvé, hein. Oups. Allez, vas-y, saute. Je peux pas. Oh, oh. Oh, le gros bug. Monsieur le gros. Oh mon dieu. Le gros bug. Le gros bug de texture. Je sais pas si on appelle ça un bug de texture. Ah là là. Est-ce que ça marche encore là? On peut aller là-dedans? Ah bah oui, on peut. Oh genre, je peux pas passer. Monsieur, je vais retenter ça, hein. Parce que c'est pas possible ça. Oh. Monsieur les étudiants, vous aurez dû bien voir ça. Normalement on peut passer là-dedans. Ah non, on peut pas apparemment, hein. Monsieur, j'ai... Ok. Mon jeu il est complètement buggy. Ok. Vas-y, c'est plus... Monsieur. Hey. 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 Voilà. Oh mon dieu, j'ai peur. Non mais te recasse pas là-dedans. Ouais voilà, regardez. Je t'ai pas dit de faire ça. Hey, mec, tu me fais quoi là? Du coup c'est pas grave, on va continuer par là, c'est pas grave. On dit que je suis déjà passé par là, non? Si, non, je suis pas passé par là. Oups, oh, c'était un vol plané ça. Ah là là, ah, attendez, regardez ça. D'accord, attendez, peut-être que faut que je termine un truc pour que débloquer le passage ici, je pense. Parce qu'apparemment, là, enlever la vie, ça sert à rien. Ok. Du coup, il y a vraiment quelque chose à faire. Du coup, je suis arrivé où ça, là? Eh, saute, tu peux pas sauter par là, non? Tu veux pas, t'es pas assez fort, pourtant t'es un dieu, mec. Oh, il y a quelque chose, là. Il y a un tronc. Est-ce que je peux passer là-dedans, moi? Je peux passer là-dessus?
Non mec, mais c'est impossible de passer, de marcher sur ces trucs là. La sensibilité est tellement exagérée quoi, que tu fais un moindre pas et c'est difficile aussi à diriger en fait. Je suis dans un tas de plantes, monsieur. Ouais, je suis revenu ici, du coup je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Peut-être enlever la vie, je sais pas. Ah d'accord, ah, il y a les animaux aussi qui meurent. Et là par exemple je fais ça. Ah non, 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 ils étaient déjà morts ou pas? Moi je pense que ce sera tout pour aujourd'hui les Zamzam. Voilà, on n'a pas fait grand chose, mais c'était vraiment pour vous faire montrer ce jeu. Je ne sais pas si je vais le... En tout cas, moi, je vais essayer de le terminer moi-même. Hein. Mais je sais pas si je vais le mettre sur ma chaîne. Dites-le-moi dans les commentaires si vous voulez voir ce jeu. Parce que ça m'a l'air vraiment de prendre du temps, apparemment. Il faut vraiment chercher. Il faut prendre son temps pour comprendre l'univers. Pour vraiment chercher. Dites-le-moi si vous voulez voir ce jeu. Donc, pour moi, là, pour l'instant, c'était vraiment pour vous faire montrer, pour tester Niva. Et donc, comme vous voyez, voilà, c'est bien fait. Il y a une bonne ambiance, une belle musique... Voilà, le graphisme sont beaux, c'est je suis en height et en 1920 par 1080. Donc c'était, ce sera tout pour aujourd'hui, voilà. Du coup les Zamzam, si vous avez aimé cette courte vidéo, on n'a pas trop avancé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo, de ma chaîne aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour pouvoir me suivre. Je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Magnifique cette musique. On est transporté vraiment avec cette musique en fait. J'adore. Je vais essayer de la trouver.